Alors, voilà un exemple d'asservissement. Par exemple, ici, j'ai souhaité asservir en vitesse la roue en fonction de la position de ma main. Donc, quand je rapproche ma main, ça s'arrête, et puis quand je l'éloigne, ça accélère. Donc voilà un exemple d'asservissement qu'on peut mener en direct avec MATLAB. Donc pour ça, comment j'ai fait? Ben j'ai tout simplement j'ai lu la distance de mon capteur analogique, donc j'ai raccordé une entrée Arduino. Ensuite j'ai trouvé la loi sommairement linéaire de mon capteur, donc j'ai linéarisé grossièrement la loi donnant la distance. Donc j'ai un facteur 0,08 et un offset de 47 que j'ai appliqué ici, le facteur 0,08, l'offset de 47. J'ai eu ainsi la distance de la main, et puis ensuite j'ai récupéré donc la S-function sur le site MathWorks. À cette S-function est associé tout un tas de fichiers qu'il faut bien mettre dans le répertoire ici de votre programme, donc le fichier WordPerl, les différents fichiers compilés ici en C. Ensuite, j'ai mesuré la position et j'ai fait un retard. Donc j'ai ainsi eu l'écart de position sur le temps d'échantillonnage que j'avais fixé ici à 0,1. Donc ensuite, j'ai divisé cette différence de lecture d'encodeur par 0,1 pour avoir le nombre d'impulsions par seconde. Et puis, je suis passé en radian par seconde. J'ai tenu compte du nombre d'impulsions par tour, qui ici est de 32, puisque je n'utilise que les fronts montants et que j'ai un encodeur de 16 positions. Ensuite, j'ai affecté le rapport de réduction du réducteur. Et donc j'ai eu ici, à la sortie ici, l'erreur entre la position de ma main et la vitesse du moteur. Ensuite j'ai appliqué un PID et j'ai pas besoin en fait de faire une boucle fermée parce que comme je suis en échantillonnage permanent, la boucle fermée est réalisée automatiquement. Ensuite j'ai mis une saturation ici pour ne pas dépasser sur 8 bits la valeur de 0 à 255. J'ai pris la valeur absolue par précaution, et puis en fonction du signe ici de l'erreur qui pouvait être négative, j'ai affecté le 1 ou le 0 au bit de sens qui est utilisé sur le shield Arduino ici, à la patte numéro 2. Et par contre, donc j'ai commandé en PWM la sortie numéro 3. Ensuite, une petite astuce, comme j'avais pas assez d'alimentation pour mon capteur analogique, je l'ai branché sur la patte 7 ici, la patte digitale, la sortie digitale 7, et je lui ai affecté la valeur 1. Ça permet d'alimenter un capteur de manière astucieuse. Voilà comment réaliser un asservissement de vitesse en mode externe, sachant que j'ai mis un temps infini, j'ai paramétré ici en external, et puis dans les paramètres du run on target, j'ai spécifié ici à la fois la carte que j'utilisais à Arduino Mega 2560. Et ici, dans les Osborne Connection, j'ai mis le numéro du port que j'utilisais. Alors après, l'intérêt, ça peut être d'utiliser un masque ici sur le bloc PID, de manière à régler les paramètres du P, du I et du D en temps réel pour augmenter la vitesse de réaction, l'erreur statique, des choses comme ça. Alors là, j'ai réalisé la même chose, mais cette fois-ci avec un asservissement de position. Donc en fonction de la position de ma main, en fait, on va avoir un asservissement en position de l'arbre moteur. Voilà, donc un exemple, une petite variante. Pour réaliser ça, en fait, c'est comme le programme précédent, c'est-à-dire que je vais lire la position de ma main, appliquer une loi linéaire, ensuite je vais lire l'encodeur, lire la valeur précédente, donc regarder de combien a varié mon encodeur pendant le temps d'échantillonnage qui était de ici, toujours de 0,1. Ensuite, je fais une intégration. Donc, j'ai utilisé ça parce que je préfère accumuler avec un sommateur et un bloc memory. Et ensuite, j'applique à nouveau, je passe en radian et je tiens compte du nombre d'impulsions par tour de l'encodeur, du rapport de réduction du réducteur. Et ensuite, je fais la différence entre donc la position du moteur qui arrive ici et la position de ma main. J'ai une erreur, j'applique un PID, je crée un masque, je sature, je prends la valeur absolue, je commande. Voilà.